Vous savez que chaque vendredi soir, TF1 se débarrasse d'un candidat de Secret Story. Ah bon? Vers quelle heure? Je ne sais pas moi, disons vers minuit. Oh! Un horaire bien étonnant pour le ramassage des poubelles. De récentes études archéologiques mettent en évidence que les ancêtres des Anglais, il y a 15 000 ans, étaient cannibales. Oh, tout ceci me met en appétit. D'ailleurs, est-ce de l'anticipation lorsqu'un cannibale dit à l'être aimé « Oh, tu me fais chier !» Carole Bouquet se refuse à la chirurgie esthétique. Elle a raison. Moi, je suis horrifié de voir toutes ces femmes botoxées, siliconées, collagénisées. Mais que vont-elles laisser aux générations futures? Allons-nous remplacer les fossiles par des faux seins, de femmes faciles aux fossiles, aux excès futiles et fatales? Mais a-t-on l'idée d'installer une charpente en plastique pour soutenir un bâtiment en ruine? Non. Bon. C'est pas mal, ça. Ben, ça tire, ça tire. À la question « Avez-vous des enfants ?», savez-vous ce qu'il a répondu? Non. Oui, dans mon lit parfois. C'est Jean-Luc Lahaye. Connaissez-vous la dernière blague de Nadine Morano? Hélas non, mais je suis impatient de l'entendre. Alors pourquoi un enfant syrien ne lâche jamais la main de sa mère? Parce qu'il lui reste plus que ça. Pour une conférence, DSK peut exiger jusqu'à 80 000 euros. Oh, je ne suis même pas étonné. Depuis le temps que les médias nous martèlent que le port français est le plus cher du marché.